Garcia, Abir Erana et j'ai des infos. Je vous parie à tous qu'en ce moment, Paganmin fulmine. Il doit être fou de rage. Quelqu'un a libéré plus de la moitié des tours du Kirat. C'est incroyable. Et mon émission, le Abir Erana Show, a plus d'auditeurs que jamais. J'en reviens pas. C'est vrai, on fait tous les jours un peu plus... Je suis vivant, les connards! Attends, mon pote! Je sais bien que t'en veux à Donald pour ce qu'il a fait, mais... Dans la merde, quoi! Et c'est Yogi, connard! Je vais quand même vous flinguer! Hé, écoute, je t'en veux pas d'avoir envie de te souder, Reggie! Ouais, on est coincés dans ce putain de pays! Comme toi, ok? Ils ont pris nos passeports et ils nous obligent à baiser des mecs! Comme toi! Et on peut pas retourner en Inde après cette histoire avec la vache. Les vaches. Ouais, les vaches. Un tas de vaches. T'as vu? 1 million de vues sur YouTube, déjà. Oh? Ouais, c'était... Écoute, on croyait que Nour voulait te parler. On pensait pas qu'elle allait te balancer un poil dans l'arène. Mais si, arrête, t'as même parié contre lui. C'était pour une question purement technique. Je voulais optimiser mes gains, vieille paterne. Ça veut dire, pote, moi, par contre, j'ai jamais douté. J'ai parié sur toi, mec. Regarde. Je suis tout à fait disposé à partager. 60-40. 40-60. 30-70. Ok, t'as qu'à tout prendre. Tu le mérites. Tu t'es quand même battu la zigounette à l'air. Ouais, ah, c'était impressionnant. Quoi, sa zigounette? Sa façon de se battre, crétin, comme dans Gladiator. Ouais, je dirais plutôt 300. Tirez-vous d'ici, tirez-vous de ma maison, c'est moi qui la reprends. Et si vous cherchez encore à me baiser... On bute Donald. C'est Yogi. Un joint? Dehors. Ok. Laisse-nous juste prendre nos affaires. Ouais, on squattait. C'est un peu le bordel. Mais d'abord... Hein? Qu'est-ce qu'il y avait ici? Un de ces tankas? Bien vu, petit malin. Il s'est passé quoi? Alors ça, c'est une histoire de malade. Ouais, drogue, intrigue, danger, tout y est. S'il te plaît, donne-moi les versions courtes. Bien, version courte. Nous venions d'arriver au Kirat. On débarquait, si on peut dire. Ouais, et on avait hâte de tester l'horticulture locale. Carrément. On n'a pas été déçus. Non, pas le moins du monde. Et tout ça grâce à... un vieux gourou super sympa qui nous a complètement ouvert l'esprit. Ouais, ce jour-là, on a atteint le plus haut niveau du nirvana du Chandraya. Quand tout a été dit, on a demandé au gourou qui le fournissait. C'est là qu'on a connu Shangri-La. Shangri-La. C'est un peu le spectre de l'ancien Kirat. L'ancien Kirat. Ouais, c'est... Ça a jamais vraiment existé, en fait, comme le chat de Schrödinger. Le Kirat de Schrödinger. Hé, hey, la version courte, hein? Ouais, okay. On y revient. Donc le gourou a dit qu'il était allé dans un lieu légendaire et qu'il y avait récolté quelques têtes. Il a pu faire tout ça grâce à un tanka mystique qui était justement accroché à ce mur. Il est où maintenant? Un petit morceau disséminé dans tout le Kirat par on sait pas qui. Ouais, mais faut pas t'en faire, hein. Le vieux nous a vendu une carte. Ah. Elle mène à une grotte, pas loin d'ici. Ouais, et avec une porte qui fait peur. Ouais, même super peur. Même si on avait voulu chasser ce dragon, on sentait bien que la porte était pas vraiment du genre à se laisser faire. Et où est passée la carte? Je crois me souvenir qu'on s'est roulé des joints avec, mais t'inquiète pas, hein, tu...
trouveras la grotte facile. C'est à l'ouest d'ici. Ouais, ouais. Et quand tu verras une porte avec une tête qui fait peur dessus, c'est que tu seras arrivé. Oh, et rapporte une tête ou deux, d'accord ? J'irai la chercher, avec ou sans aide.
Yeah.